Bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau stream en ce dimanche 5 juillet 2020. On est parti encore du LSPDFR. Je suis fan. En ce moment, je fais que de jouer à LSPDFR. Ça crache pas. Je suis content. Bref, c'est mon petit jeu du moment. J'attends, j'essaye de me décider parce qu'en ce moment, c'est les soldes de Steam. Donc j'essaye de me décider sur quel jeu je vais acheter ou non. J'ai encore quelques jours, hein, c'est jusqu'au 9 juillet pour rappeler. Donc si on est le 5, il reste que quelques jours encore. Donc voilà, je me mets en accord avec ce que je veux pas, si j'achète plus tard, etc. De toute façon, après je peux acheter un jeu à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant de faire des bonnes affaires. Parce que sinon, en cours d'année, j'ai moins l'intérêt d'acheter des jeux. En tout cas, on va faire un petit GTA 5, du coup on continue. Je pensais faire Mass Effect à vrai dire, mais finalement non. Non. En vrai, je suis un peu dégoûté que ma sauvegarde ait été corrompue. Le Star Wars Republic Commando, je sais que c'était deux séries que j'avais commencé, j'étais ultra motivé. Mais ça m'a grave dégoûté. Le fait que déjà le Republic Commando, d'un moment je peux plus, il faut que je refasse à partir de super loin. Il faut une gestion des munitions du coup qui est incroyable, donc je sais que je ferai pas l'erreur qu'une seule fois. Donc déjà c'est mort hein, pour ce jeu là, c'est terminé, hors de question. Et le Mass Effect 2, je vais attendre un peu en vrai, pour l'instant je le laisse installer, peut-être que je vais le reprendre, peut-être que je vais refaire du coup un nouveau live. Mais là en attendant j'ai envie de faire du GTA 5, voilà, rien ni personne ne m'empêchera de faire du GTA 5. Il y a juste un petit détail que je n'ai pas encore réglé, que j'aimerais bien régler maintenant. Je vais lancer mon jeu et en fait je vais baisser des paramètres graphiques. Donc pour l'instant je vous l'affiche pas le jeu. Enfin c'est peut-être que ça l'affichera automatiquement, mais pour l'instant c'est pas du jeu, j'ai pas eu le temps de corriger ça. En plus je commence un peu mon stream un peu tard. Mais j'essaierai de rattraper tout cela. Tac 1080. Non, c'est du 900p 50fps, voilà. Parce que le 1080p ça avait un peu du mal. Mais je trouve que le 900p en 50fps c'est très très clean, surtout que la 1080p en 60fps, sachant que le bitrate de Twitch est limité à 6000, ça sert presque à rien.
On va être honnête, ça ne sert presque à rien. Bon, bref, là, mon jeu s'allume. Alors pour l'instant, vous voyez pas. Ah si, vous voyez. Pardon, je pensais que vous ne le verrez pas, puisqu'en fait, c'est pas du coup tout. Du coup, c'est pas script hook. C'est juste pour moi de faire un petit lançage du jeu pour changer les paramètres graphiques. Parce que, en fait, le paramètre graphique que je voudrais changer, du coup, en fait, il va m'obliger à redémarrer mon jeu. Donc je préfère faire ça maintenant parce que sans les mods, parce que si je fais avec les mods du coup, ça va être la merde. Ah putain, il n'y a pas de graphisme avancé. Bon, si on peut en mettre quelques-unes. Échelle de distance. Distance, temps prétendu. Ah, bon, y a des... en fait, il y a des... Des trucs ont été baissés, mais je sais pas trop pourquoi ni comment. Et je lag comme un ouf dans le menu. Qualité de l'herbe, voilà, ça me fait souvent laguer l'herbe. Mais sauf que, voilà, faut redémarrer le jeu, donc oui. On va faire un restart du jeu. Voilà, parce que l'herbe, ça me fait laguer comme pas possible. L'herbe dans le jeu fait laguer de toute façon comme pas possible. Donc, autant la baisser, on s'en fout un peu de la qualité de l'herbe en vrai. En vrai, par contre, quand l'herbe est en ultra, c'est apparemment c'est incroyable à voir parce que c'est super beau. Mais entre nous, bon, on en a un peu rien à foutre de l'herbe puisque on va pas trop dans l'herbe, tout simplement. Bref, là, ça se lance. Hop, c'est parfait, c'est lancé, donc j'espère que les paramètres ont été changés. Oui, ça a été changé, c'est parfait. Sinon, tout le reste est enlevé. C'est pas dégueulasse, enlevé. Hein. C'est pas non plus dégueu. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu mieux. Je vais couper la musique Spotify. Voilà, c'était cool. C'était cool rapidement. Ça me fait penser à un truc que j'aimerais bien ajouter. Ouais, ça j'aimerais bien l'ajouter. La petite image là. À côté, ouais non, ça cache peut-être un peu l'image, non? Bon, moi je sens bon là. En tout cas, je vais redémarrer le jeu du coup. Mais cette fois-ci, je vais lancer avec Rage, Plugin Hook. J'ai installé des nouveaux call-out. J'ai un peu plus. J'ai changé aussi beaucoup de touches. Enfin, j'ai fait beaucoup de trucs un peu chiants qu'on fait presque jamais, mais que j'étais obligé de faire. Par contre, je vais éteindre Spotify, Steam. Enfin, je vais. Voilà. Parce que du coup, il me faut le plus de RAM possible pour jouer dans de bonnes conditions pour pas que mon jeu crache. Et hier on s'en était pas trop mal sorti, en plus après j'avais mis des tornades et tout, enfin ça a été le gros bordel. Mais ah putain, ça me fait mal au nez. Mais voilà. Attends, ça se lance. Démarrage toujours un peu long, et là c'est même pas à cause du mod, c'est à cause du launcher Rockstar. Depuis qu'ils sont passés sur. Depuis qu'ils ont fait une mise à jour de leur launcher, je trouve que le jeu se lance à une vitesse mais complètement lente, c'est terrible. Là, il y a un truc qui s'est lancé en double, j'aime pas trop, je sais pas ce que c'est. Bref. C'est parti, ça se lance.
Donc, une fois que j'aurai acheté les jeux, déjà le jeu que j'aimerais que je vais acheter, hein, ça c'est sûr que ça va être le Batman Telltale Evil Within. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Parce qu'il faut impérativement que je le fasse, parce que j'ai kiffé le premier, mais apparemment il est bien hein, au niveau scénaristique, mais au niveau du codage, tout ça, parce qu'en fait, faut savoir que. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. L'éditeur, la société qui crée ces jeux, qui a créé The Wolf Among Us, les épisodes de, aussi de. Pas de Game of. De. Truc avec les zombies là. Oh, j'ai oublié tous les noms, c'est terrible. Bref, c'est un truc assez connu, un truc avec des zombies là. C'est une série que j'ai pas regardée. Et du coup, les Batman, cette série qui s'appelle Telltale. Telltale Games. Eh bien, ils ont fait faillite, mais ils ont été rachetés. Du coup, ils vont refaire des jeux. D'ailleurs, il y a un The Wolf Among Us 2 qui va sortir. C'est la bonne nouvelle. Et je suis déjà en tenue. Oula, par contre, je lag. Je suis déjà en tenue, par contre, je suis en tenue de shérif. Et j'ai pas très envie. J'ai envie de refaire des patrouilles en ville. Ça me plaisait mieux, les patrouilles en ville. Mais en tout cas, je sais plus ce que je disais du coup. LSPD. J'aimerais bien me mettre. Voilà. Oh putain, je trouve comme ça, là, c'est la classe. Confirme. Mais ils ont fait faillite, du coup, ils ont été rachetés. Du coup, il y a un The Wolf Among Us 2 d'ailleurs qui avait été annoncé il y a quelques mois. Ça va faire 5 mois qu'il a été annoncé. Enfin, du moins, il y a une sorte de. Merde, c'était pas celle-là, parce que je. Il y a une sorte de petit truc où on voit du coup Blanche et Bigby qui parlent. Et c'est très stylé, ça fait 13 années 80, parce que le jeu se déroule dans les années 80. Bref, et pourquoi pas du coup faire le The Wolf Among Us 1 en live. Mais je l'ai fait moi en solo il y a pas longtemps. Du coup, vu que c'est un jeu à choix, ça coupe un peu le truc. C'est pas très grave, hein, mais par contre, toi t'es un peu en sens interdit, connard. Hein. Office, j'avais pas fait gaffe, officer of stuff. Merde. Bref, sinon j'ai appris pas mal de trucs. Par exemple, celui-là a voulu faire un sens interdit. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux. Hop. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Et là, maintenant, normalement, le suspect me suit. Voilà. Le suspect me suit. On va essayer de se mettre sur. Bah, ici, là, sur le bas-côté. Hop, et là le suspect me suit. Et là, du coup, je peux faire un contrôle. Si jamais. Alors, j'ai Stop the Ped et aussi le truc officiel. Bon, là, on va y faire avec le truc officiel. On va dire bonjour. On va lui demander ses papiers d'identité. Mac Brothers. Du coup. Mac. Merde, j'écris trop important. Brothers. Il est recherché par la police. Ok, je vais prendre mon paralysant. Mais du coup, je vais te demander de quitter le véhicule. Oh, c'est bien tué. Ok, FF. Qu'est-ce que t'as voulu tenter là? Arrête-toi. T'es recherché par la police, mec. Ah là là, à cause d'un. Oula, oula. Ouais, oh. Arrête-toi. Arrête-toi, j'aimerais pas te remettre un coup de taser dans la gueule. Voilà, hop, on l'arrête. Notre première arrestation. Voilà. Oh, super, il est juste là. On va aussi demander, tiens, un tow truck. Un large. Hein. Une course organisée. On va prendre. On va prendre, il s'en occupe, il a été pris, bon c'est parfait, tout est fini bien. Du coup là on est face à une course organisée, ça va pour moi vous permettre de vous montrer l'un des nouveaux modes que j'ai installé. Alors j'aimerais bien voir où sont les loustics. Ah oui, alors d'ailleurs, je
de préparer mes raccourcis. Ok, je les vois. Très clairement, là, je les vois. J'ai besoin, par contre, de collègues. 3 hélicoptères. Beaucoup de patrouilles. Ok. Ah, putain, mais je me prends toutes les voitures. C'est pas croyable. Oh, non. Oh. Mais cette vanne. Ça commence très mal, hein. Pour moi, ça commence super mal. Ah putain, on en a perdu un déjà. Putain, mais je croyais qu'on avait un hélico sur le coup, bordel. Ouais, en fait, là, on va tous les perdre. Parce que j'ai une équipe de bras cassés. Voilà, un suspect s'est échappé. Ah, ça commence très bien, cette intervention, dis donc. Ah non, mais c'est pas possible. J'ai envoyé 3 hélicos, il y avait 3 véhicules. Ok, on va essayer de l'intercepter. Et je vais tenter quelque chose qui peut être dangereux en ville, hein, mais bon, là, on s'en bat les couilles. Merde, il tourne. J'étais pas prêt. Bon, tant qu'on a toujours l'hélico sur le coup, ça me va. Et c'est vrai que ça fait un peu chier, du coup. Ouais, d'ailleurs, du coup, je lingue un peu parce que j'ai demandé beaucoup d'hélico et beaucoup de patrouilles. Du coup, ça fait beaucoup d'entités à gérer. Oh, il me fait un tacle. Oh, le bâtard. Pourquoi est-ce que j'ai mes... Merde, c'est que je voulais faire. Eh, c'est en train de me casser les couilles, en vrai. Les gens qui se poussent pas alors que j'ai mis la sirène de police. Oh yes, on a une moto de police sur le coup. Putain, mais elle fait n'importe quoi. Hein. Elle est ultra dangereuse, cette bagnole. Hein. En fait, ce que je comprends pas, c'est... Arrête-toi, t'es mort. Merde, putain, mais poussez-vous. C'est incroyable, ça. Bah, en plus, il est mort, le gars. J'ai envie de te dire, t'avais qu'à te pousser. Hein. J'ai lancé une phrase de connard, je sais. Non, mais en vrai, ça c'est ultra relou. Putain. Bon, vous avez compris du coup ce que je voulais vous montrer, c'est ça, ce sont les herses. Mais j'arrive pas à la foutre en vrai. C'est en train un peu de m'énerver. Oh bah parfait, tu t'approches d'un comico, t'es au courant, mec. Oh bah parfait, tu vas aller juste à côté du comico. Quoi? C'est sérieux, il fait demi-tour. Quelle enflure. Non, on a 2 hélicos sur sa gueule. Je veux dire, stop au d'un moment. J'aimerais bien au moins en avoir un parmi les 3. 1 sur 3, histoire que ce soit pas non plus une intervention perte de temps, 100%. J'aimerais bien te foutre une R sur la gueule. Putain, j'ai vraiment pas eu le temps. Putain, c'est corsé, hein. Lui, vraiment, là, il me fait des misères, là. Je vais mettre mes pleins phares, tiens, parce que... Maintenant... Oh oui, je voulais éclater des pneus. Merde, j'ai fait P, sans faire exprès. Oh, attends, je crois que je l'ai envoyé un peu dans le décor. Ok, yes, il se rend. Parfait, je suis content que tu te rendes. Bon, d'accord. T'es un peu en train de l'éviter, mais c'est pas grave. Personne ne t'en voudra. Bon. Tous les autres se sont échappés. On en a au moins un. Voilà, il y en a un qui a été pris. Mais ouais, c'est vrai que du coup, les autres... Tiens, d'ailleurs, je vais t'apprendre. Ah, t'es alcoolisé. Bah. Ça m'étonne pas. Tu vois ta belle bagnole super rapide que t'as custo? Voilà ce que j'en fais. Que la fougue à la flotte. Je te vois comme ça t'apprendra à faire des courses. C'est bon? Parfait. Voilà, maintenant sa voiture elle est à la flotte. Il pourra plus jamais faire chier les gens avec sa bagnole. Ouais, c'est... Très clairement, c'est pas très cool. Mais il m'a fait chier. Et on me fait jamais chier. Ok, parfait. Je peux stopper la sirène du coup et reprendre ma route. Et on va tourner par là. Oh, j'accepte. Quoi, j'ai un temps? Oh, mais j'y serai jamais à temps. Hein. Oh non, mais c'est mort.
envoyer d'autres unités, mais pas moi là. Ou alors je peux peut-être tricher. En vrai, s'il me reste genre 10 secondes, je pense que je me TP'rai là. Mais bon, c'est pas très RP. Putain, mais j'ai mis la... Ça sert à quoi la sirène de police en vrai? Quand je la mets, vous vous dégagez. Est-ce que vous avez compris l'intérêt? C'est parce qu'il y a une urgence que je mets cette sirène. Pas pour parce que c'est beau et que ça fait des... C'est pas parce que c'est RGB. C'est pas comme sur les clavettes, certains. Ok, non, si je pense que je peux y arriver. J'ai demandé quand même des patrouilles. Une EMS aussi au cas où. Ok, c'est bon, j'y suis. Ok. Ok, je vais demander des coroners. Oh, please, don't shoot me. What is that? Est-ce que je peux lui parler au monsieur, lui dire que tout va bien? Don't shoot, don't shoot. Bon. God. Et j'ai demandé des unités qui ne viennent pas. Bon, je vais bloquer la route. Je vais bloquer la route. J'aimerais bien quand même qu'il y ait des collègues qui viennent, comme je l'avais demandé. Voilà. Ok, j'en entends. Ah, les vitres sont pétées. Bien, c'est très bien fait l'effet des vitres cassées. Voilà, ça m'a fait peur les flashs. C'est très bien fait. Hein. Ah, j'ai combien sur mon... Pourquoi Michael De Santa? D'accord, je suis en tant que Michael De Santa. Suspicious person. Bah allez, on prend. On prend un, les collègues vont se charger du reste de toute façon. Donc en vrai, j'en ai presque rien à foutre. Suspicious activity. Oui, enfin, t'es un peu dans le quartier pauvre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup des suspicious. Par contre, c'est une petite zone là. Alors, en vrai, j'ai peur à chaque fois dans ces quartiers là parce que ça peut vite partir en couille. Parce que la police et ces quartiers-là, c'est pas trop... Mais bordel. Ah, 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 attends. Est-ce que ça pourrait être dans le coin, là? Non, bah non, je quitte la zone. Il est 4h49 du matin. Ah, 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 attends. Mais what? Mais tout va bien. Alors, est-ce que c'est un bug? Je pense pas. Hein. Ce ne sera pas vous, madame la suspicieuse personne. Non. Bah, je crois que c'est une fausse alerte alors. Je sais pas si c'est possible.
aller dans les coins, c'est pas très accessible. Et dans le clocking, bah non, il est fermé. Qu'est-ce que je passe? Non. Putain, en plus. Bah, y a rien, hein. Ah, attends. Attends, c'est pas mal ça, y a un collègue qui. Qui me traite de psychopathe, c'est pas mal. Bah, j'aurais presque envie de te dire que c'est une fausse alerte. Ouais, moi je vois rien. À l'intervention, j'ai mis fin parce que je voyais rien. Ça commençait à me saouler. Alors peut-être que c'était une fausse alerte, hein, je pense que c'est possible. Ça ne m'étonnerait point. Bon, par contre. Hop, voilà. Oula, toi t'as une conduite un peu. Merde, je te rentre dedans. Mais tu ne me suis pas du tout là, tu fais un délit de fuite. Mais oui, c'est totalement un délit de fuite. Alors. Tu vois mec, il y a pas longtemps j'ai installé un mode, donc t'es terminé. Oh la vache, il tente le train. Oh la vache, c'était risqué mais bien joué à toi, ça vient envie de ne pas t'arrêter. Non, je déconne. Tu vas prendre cher. Tu tournes? Ok, très bien, je te suis hein. C'est toi qui me fais la route. J'aime bien le coller au cul parce que je suis plus proche de lui. Oh, il est arrêté. Non mais essaye pas. Enfin, il a tenté, il a réussi. Hein. Ok. Voilà, stop. T'es décoincé mec. Sors. Non mais allez là. Je vais m'énerver. J'appelle quelqu'un, j'appelle aussi quelqu'un pour le véhicule. Ah, il a une forte consommation d'alcool. Hop. Mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, agresser les collègues. Parfait. Je vais tourner par là, voir un peu. Je crois que c'est un peu un endroit mort ici. Ok, il est emmené. Pardon, attends, je peux pas péter une barrière. Je préfère. Je triche un peu en reset dans ma bagnole, mais
Ça me saoule quand je la vois dans un état pareil. J'ai pas trouvé un peu dans des zones un peu reculées, mais parfois il peut y avoir des activités suspectes. Hein. Je suis déjà tombé sur des mecs qui faisaient des trucs un peu chelous. Tout cela ne m'étonnerait point que ce soit le cas encore maintenant. Bah, très clairement, là on va décéder. Je vous explique. Parce que si je décède, il va se passer quelque chose de dingue. Non, non, je vais peut-être sortir de la bagnole en vrai. Mais je crois que vu que je suis mort avec ma voiture, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va m'arriver. Putain, et là ça l'a pas fait, mais allez, viens vous faire enculer, franchement. Allez, on s'énerve pas. Oh, un taxi. Comment on fait pour l'appeler? Oh. Bon, et oh, connard. Je voudrais te donner du chiffre d'affaires. Bon, j'ai besoin de ta voiture. Le policier fou. Parfait. Police garage. La Air Interceptor, je trouve que c'est la meilleure de toutes les voitures. Je crois que c'est la plus rapide et la plus maniable et la plus belle aussi. Ouais, je joue un peu avec le feu, j'aime ça, je peux pas vous mentir. Ouais, il y a des touches, des modes qui sont chiantes, très... J'aimerais bien essayer de rejoindre Noël l'autoroute. Si jamais il y a des interventions en cours, je les prendrai bien évidemment. Active shooter, on y va. Un mec qui tire sur les gens. Par contre, ce sera peut-être évident d'envoyer. Peut-être non, plutôt local, soit team. Oh la vache! Il a tiré dessus direct quoi. Voilà, je vais appeler du coup les corners. Je coupe la route. Putain, il m'a visé direct, hein. Qu'ils arrivent les corners, je vois un point noir au loin. Je crois que c'est bon.
Non, je vais peut-être me mettre plutôt. Parfait. Ils sont là. En bonne et due forme. Hop, je mets les voitures. Je pense que là c'est bon. Ok, on peut reprendre nos routes. Ah, il y a un petit chat. Ça, c'est de la voiture. Oh, à Lyon, on y passe. Voilà. Ouais, j'ai très clairement grillé le feu. Ouais. A little. Major gang incident. Bon, allez, on y va. Je prends l'autoroute à contresens, c'est ultra dangereux. Mais par contre, j'ai besoin de renforts, j'ai besoin de collègues. Donc je vais avoir besoin de MS et de local SWAT team. Putain, mais j'ai. Allô ? Est-ce que vous voyez la sirène, mesdames et messieurs, au lieu de me foncer dessus ? Vraiment, on dirait genre. Oh la vache, elle me tire dessus ! Ah putain, il est là ! Ok, bon. Toi déjà t'es mort. Voilà. Oh la vache, ça me tire dessus. Ça continue de me tirer dessus. What? Il est où? Non mais il est mort. Putain, ça me tire bien dessus en tout cas. Ah putain, il y a des collègues à terre. C'est pas très beau à voir. Oh là. Ah putain, j'ai pas eu le bon réflexe. Est-ce que je peux appeler les coroners? Oh, je peux pas. Ah si, je les ai appelés. Bon, on s'est totalement fait laminer. C'était un risque, hein. Je le connaissais déjà ce risque en vrai. J'avais que je me prenais très mal là. Mais aussi, quand j'appelle des collègues, ils ne viennent pas tout le temps immédiatement déjà. C'est très relou du coup. Et deux yeux, bah c'est tout. C'est tout, c'est surtout ça que je suis rendu. Ils ne viennent pas immédiatement. Donc bah tu veux que je fasse quoi face à un, avec un 9 mm, eux ils ont des AK, donc tu veux que je fasse quoi, bien évidemment. À part faire essayer de faire que des headshots, c'est du coup quasiment impossible. Du coup c'est un peu chiant, ouais. Non, vous voyez, juste une petite patrouille désarmée. Alors, du coup on va essayer de rejoindre le poste que je... Que je cherchais, enfin à rejoindre l'autoroute, quoi. On va essayer, même si bon, si on est appelé, si jamais on est appelé sur des. Et je me suis trompé. Je donne vraiment pas le bon exemple. Hein. Oh, personne m'a vu. Ce qui est cool, c'est que quand ils me rendent ma bagnole à l'hôpital, elle est toute réparée. C'est plutôt une bonne nouvelle. It's a good news. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il s'est passé quelque chose!
Ah la vache, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, je crois que c'est un peu en train de partir en couille. J'ai pas eu tout ce qu'il y a eu, à vrai dire. Mais nous, on va continuer notre chemin par là. Et voilà, c'est tout. Alors, par contre, c'est très chiant quand il y a des missions comme ça qui se lancent. C'est-à-dire que parfois, je passe à côté d'un mec, il est méchant. Et si je le poursuis pas, bah, ça me fait ça. Et je peux pas prendre d'autres interventions en attendant. Faut attendre quelques minutes. C'est vraiment super relou parce que j'ai pas forcément envie de le poursuivre, quoi. En plus, il n'y a pas la garantie qu'il soit méchant, donc c'est bon, c'est top. Oula, par contre, toi, tu... Oula, what? Quoi? Mais... C'est pas un coup. Ah, bordel. Je vais appeler une EMS. Merde, je crois que j'en ai appelé deux. J'ai pas fait exprès. J'ai voulu l'arrêter. Dès que j'ai mis mes gyros, la voiture s'est stoppée net. Et du coup, ça a été la merde. Très clairement. La grosse merde. Et du coup, bien évidemment, sans faire exprès, j'ai appelé deux EMS. J'ai cliqué deux fois sur le bouton. Bon bah, j'espère au moins qu'ils arriveront à le sauver. Il y a un peu, il y a un... Ouais, non mais attends, d'abord je m'occupe de ça là. Yes! Pour que tu es sauvé. Est-ce que tu vas aller dans... Est-ce que tu vas suivre l'ambulancier? Est-ce que je peux te faire test d'alcoolémie? Tu veux te battre? Non mec, tu viens à peine de te remettre sur pied. Bon. Bon. Bon, bah, coroner, hein, c'est bon, hein, j'en ai ras le cul. Je pense que là, il est mort. Hein. J'aimerais bien dégager la route au plus vite. Et je vais demander aussi un tow truck. Voilà, je vais toujours barrer la route hein, par contre. Hein. Always. Bon, attends, je vais peut-être laisser passer l'ambulance si elle a d'autres urgences. Allez-y, allez-y, allez-y. Vas-y, c'est quand tu veux. Ça me fait trop rire, genre vraiment. Si ça... Par contre, le passager est mort avec... à cause d'une collision avec un véhicule. Un peu en couille, j'ai l'impression là. Genre, on est d'accord que c'est. Ah, peut-être quand il s'est cogné au véhicule, quand je l'ai tasé. Ah putain, possible. En vrai, je crois que c'est ça. Quand je l'ai tasé, il s'est cogné au véhicule. Et peut-être que du coup, ça lui a été mortel. Putain, c'est totalement pas impossible. Dans le cas, je suis content de pouvoir streamer GTA V à l'SPDFR dans de relativement bonnes conditions comparé à d'autres jeux, Mafia 2, qui m'était vraiment impossible de streamer dans les Mafia 2. Honteux le jeu, honteux. En soir, j'ai kiffé l'original, l'histoire de l'original. Mais vraiment, celui-là, mais. Le remaster, vraiment, mais. Heureusement qu'il était gratuit en vrai. Heureusement. Parce que je l'aurais vraiment mal pris. Puis je pense déjà que j'aurais jamais payé un remaster. Je trouve ça honteux de faire payer des remasters. Genre, je veux dire, t'as déjà payé le jeu original. Genre, par exemple, il y a un truc que je trouve en dessous, c'est le Saints Row 3. Sous prétexte, parce qu'il est sur une autre plateforme, donc Epic Games, on doit le repayer. Alors que j'ai l'original, et sincèrement, graphiquement parlant, il y a des différences, certes. Genre, à la limite, ils ont dû ajouter du HDR. Mais c'est bon, quoi, ça mérite pas de le repayer une deuxième fois. Vraiment, vraiment, ça m'a fait sortir de mes gonds quand j'ai vu ça.
les remasters payants, encore des remasters tels que par exemple Resident Evil 2. Là, c'est un vrai remaster, c'est-à-dire que le jeu il est refait de fond en comble. Tu vois, nouvelle map, nouveau dialogue, nouveaux personnages, motion capture. Là, oui, déjà je trouve que c'est en plus ces deux remasters qui peuvent pas se comparer. Mais des remasters que tu dois refaire payer, alors sincèrement, le Saints Row 3, c'est pareil, c'est tout pareil. Il y a quelques différences, mais c'est tout pareil. Je crois qu'il y a des missions en plus, il me semble. Bon, et ça, c'est juste histoire de dire, c'est pour ça qu'il faut le racheter, c'est tout. Donc, c'est méga arnaque. Et du coup, vraiment, ça m'a fait sortir un peu de mes gonds quand j'ai vu ça. J'ai fait, mais allez vous faire foutre. Et je crois qu'en plus, il n'a pas été acheté vraiment beaucoup. Donc, bref, c'est la fin de mon petit coup de gueule. Je vais mettre un radar mobile. Par contre, je sais pas combien c'est limité ici. Hein. Ah, remarque. Reckless Driver. Je sais pas du tout ce que c'est. D'accord, je crois savoir ce que c'est. Attends, je vais prendre un petit raccourci. Raccourci. Watch! Alors ça, c'était bien. Allez-y, 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 vas-y, 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 vas-y. Moi qui pensais pouvoir prendre de l'avance. Putain, je crois que c'était... Parce que quand ça fait ça, ça veut dire qu'on a perdu le suspect ou qu'on l'a retrouvé. J'ai eu peur qu'on l'ait perdu, du coup. Allez, vite, 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 vite. Par contre, je viens de remarquer que je suis une voiture de la LSPDFR. Et que vraiment, je suis pas du tout dans ma zone de... Bah, d'activité. Par contre, c'est un gros 4x4. Donc j'espère... Ah, putain, il a tourné le bâtard. Mais il va pas passer. Putain, s'il passe. Non, il est coincé. Je sors mon gros gun là parce que... Putain, il a voulu s'enfuir, j'avais pas vu. Dans l'état d'arrestation. Non, c'est pas pour ça. Et putain, encore ce même bug de je peux pas bouger. Bon, je crois que mon jeu part un peu en couille, hein. Légèrement, mais... Mais du coup, là maintenant, je peux bouger. Je comprends pas ce bug. Ça m'énerve un peu. Du coup, je suis obligé de faire ça. À chaque fois, ça marche. Mais pas à tous les coups. Si, là, ça marche. Vraiment très relou. Hein. Putain, mais par contre, mais teubé les voitures de flics en vrai. En plus, que là, c'est en train de niquer ma bagnole. Rick reste pas pour la police 3, mais pour celle-ci plutôt. Putain, le boucan qu'elle fait, mais stop, je me casse. J'ai regardé ça au loin, là. Ah, c'est bon. Oh, ok. Moi, du coup, je vais repartir par là-bas. Ouais, qu'est-ce qui se passe? La moto de flic te gêne, peut-être. Tu veux peut-être que je la décale. Voilà. Tiens, mais d'ailleurs, je pense que dans le coin, ça pourrait être un bon spot pour poser un petit radar, là, non? Par contre, j'aimerais vraiment bien savoir c'est quoi la limitation. Parce que, en fait, dans les midages, là, c'est pas du tout la limitation de vitesse, et c'est un peu redondant. Voilà, je le dis. Place radar. Merde, c'est pas du tout ça que tu voulais faire. Je pense que le maximum, c'est 60. On va voir en vrai. On va voir, le prochain qui fait un excès de vitesse, il est mort. C'est pas plus de 40 du coup la limite?
Fais voir, je vais voir cette moto. Bon, je vais mettre 45. Voilà. Celui qui va au-delà de 45, il est foutu. Jusqu'à tout est raisonnable. Bon, je vais changer, je vais plutôt mettre du coup 43. Hein. Allez, 44, allez. Mais ouais, du coup, tout le monde est très calme sur cette route, visiblement. Je suis trop loin de l'intervention. It is not an intervention for me. Oh. La chute la plus ridicule du monde. En pareil, par contre, dans GTA V, je trouve que la motion capture elle est bien. Hein. Mais je trouve que j'ai un peu l'impression qu'ils sont en mousse un peu. Genre, c'est-à-dire qu'ils peuvent tomber, perdre l'équilibre courant à rien, je trouve. Genre, je les trouve très molles, voilà, la motion capture. Très très molle. Et lourde un peu. Bah, 40K, ça passe encore, ouais. Oula, 51, toi par contre, tu roules vite. Oula, non, attends. Oula, non, t'as freiné parce que. Suis-moi, follow me. Parfait, ça c'est bien ça. Par contre, merde, j'ai mon minuteur qui s'est actionné. Mais ouais, toi t'es. Il sent la drogue. Tiens donc. Ça sent un narcotique. Il est positif à la Mario. Bah. Tu vas quitter le véhicule, mec. Tu peux pas conduire. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ouais, alors. Je vais être gentil. Est-ce que je peux pas lui mettre un avertissement? Tu peux dégager les trucs, s'il te plaît? C'est relou. Est-ce que je peux lui mettre un avertissement? Non, bah. Attention, ça va être fort le bruit là, le petit. Ah, j'adore. Par contre, ouais, on gêne un peu la circulation là. Ah, yes, il bouge pas le con. Bon, je vais appeler quelqu'un. Bon, je peux pas faire tout le monde là. Je vais appeler quelqu'un. Je veux bien que tu me follow me, s'il te plaît. En vrai, sinon ça va me casser les couilles. Voilà. Et je vais du coup aussi demander un tow truck. Non, je vais laisser mon radar mobile, il va continuer à flasher des gens qui auront du coup une petite surprise et moi je vais prendre cette intervention. Voilà, le petit radar mobile qui est là. Il va continuer de faire son taf, il va continuer de flasher et de faire en sorte que les gens s'arrêtent. Ralentissent du moins. Bref, moi en tout cas je sais pas où je suis appelé, j'ai pas compris, j'ai pas eu le temps de voir tout le descriptif de l'intervention, mais elle avait l'air intéressante puisque j'ai vu Supermarket. Et généralement quand c'est des braquages et autres, c'est cool, intéressant.
un cambriolage. Très clairement, il a voulu faire feu sur moi. Fin d'intervention. Enfin, du coup, je vais quand même appeler un coroner. Bon, vu le headshot, ça sert à rien que j'appelle. Et tu t'en vas, voilà, comme si j'en étais, tout va bien. Est-ce que je peux prendre le fric? Non, je peux pas. Triste. Parfait, les coroners arrivent. Alors, je suis sur cette intervention là. J'ai pas envie de prendre cette intervention là. Je peux rentrer dans le magasin avec ma voiture. Une question que je me suis toujours posée, j'ai jamais osé franchir le pas entre guillemets. Et la réponse est oui. Ah non. Attends, quoi, je suis coincé? Ah putain, j'ai eu peur. Putain, je me suis fait peur. Je me suis fait super peur. Bon, du coup, nous on peut reprendre notre route. Peut-être que du coup, je vais prendre de l'autre côté. Et du coup, c'est une fin d'intervention complète. Pourquoi est-ce que... Putain, il est taré lui, la moto là. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est... Pourquoi est-ce que la voiture n'avance pas? Ah d'accord, puis quand j'arrive, elle s'avance. Là, oh, ça part un peu en couille, la circulation, j'ai l'impression, en vrai. Oh la vache, mais le... Je joue un peu trop avec le feu, moi, visiblement. Bon, hop, tout est bien qui finit bien. En vrai, je vais reprendre de l'autre côté, plutôt. Go. Je respecte pas du tout les limitations de vitesse. Mais je suis flic. Alors je suis de moi. Bon, je sais que je suis plus trop dans ma zone d'activité vu mon skin, mais c'est pas grave. En vrai, je m'en sortirais pas si jamais je devais sélectionner les interventions que par rapport où elles se trouvent. Ça ne le ferait pas. Ah, il commence à faire nuit bien noir. Non, il commence à faire bien nuit noir. C'est ça que je voulais dire. Ça, il commence à faire nuit bien noir. Ça se dit pas trop. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Une petite station. Ok, je vais tourner par là. Ouais, je sais. Surtout pour, du coup, pour faire des checks de plaques. Et voilà aussi. Vehicle license plate 8 1 Mary Frank Zebra 5 4 2 no. Suspect's license plate 0 4 Victor Queen non, Robert bon. 6 5 5 no 1099. Et là ici là, c'est quoi cette commune sociale? Je vois pas ce qui est écrit. Commune now, yes we camp. En gros, ce sont des campeurs anti-capitalisme. Ok. Sinon, si j'ai bien compris. Il y a écrit quoi là? Droit pour l'humain. Droit pour.
pour rester ici quoi, pour vivre, pour Quoi? Oh bordel. Ils sont lourdement armés hein. Sors. Mec, tu sors avec une arme en main, je te jure t'es mort. Il a voulu faire feu hein. Oh bien toi. Toi là. Voilà. Je vais du coup demander les coroners. Par contre, non, j'ai pas besoin de ma lampe. Voilà, et je vais demander aussi du coup un. Ah, attends, c'est peut-être moi qui dois faire un truc. Voilà, je vais l'arrêter. Voilà, et du coup, je vais appeler dans des véhicules, c'est pareil. Hein. Là, on va pas risquer. Et du coup, je vais aussi appeler un tow truck, le plus gros du coup. Ça, c'est un gros véhicule quand même. Et là, je vais essayer d'arrêter la circulation. N'essayez pas de passer. Ok, il va prendre le véhicule, parfait, il l'a pris. Putain, elle s'y passe. Hein. Putain, mais stop, être pressé, hein, mesdames et messieurs. Oh, ouais, je prends. Par contre, il y a encore un gars. Ouais, je sais, je roule un peu vite. Ouais. C'est mon dada, ouais. Ouais, ouais. Oula. C'est, je trouve tellement suspect ce genre de véhicule garé comme ça, là. Target license plate. 6, 6, Queen, John, Sam, 1, 7, 7, no, 1099. Je pourrais avoir l'intervention et je peux pas parce que voilà, sans faire exprès, je suis tombé à côté d'un gars. Bon, je vais le tuer. Hein. J'ai vraiment la flemme de faire toute une intervention. Oh la vache, par contre, bâtard. Là. Voilà, t'apprendras l'aspect plus tard, gamin. Oups, je suis un peu foncé dans le. Bon, du coup, vu que l'herbe, je l'ai mis en normal, du coup, c'est totalement dégueulasse. Hein. Faut dire, c'est même pas la peine d'essayer d'aller dans les bois. Je vais tenter, hein, mais. Hop là, je grille un peu le code de la route. Ah, c'est même pas un chemin.
C'est là. Voilà, du coup, je disais donc, c'est même pas la peine. Hein. Par contre, c'est vivant et c'est beau. Hein. Ça reste beau, le jeu reste beau quand même, malgré les graphismes un peu plats là. Mais en vrai, ça reste des beaux bois. Mais du coup, ouais, quand c'est en ultra, ça doit être un plaisir. Mais malheureusement, si je mets en ultra, ça se met à laguer. Un peu trop, et vu qu'on fait pas des interventions ici, ou du moins très ultra méga j'ai rarement. Voilà. Trespassing. Code de 2. Code de tout. Vraiment, aucun commentaire sur ce qui vient de se passer. Et sur ce qui s'est encore déroulé. J'en ai ras le cul. Wow. Alors ça c'était stylé par contre. Ça a rattrapé toutes mes mauvaises cascades. Comme celle-ci par exemple. Soit. J'espère que c'était pas une intervention urgente où il fallait se dépêcher parce que... C'était en code 2, c'est vrai. C'est pour ça que je me demandais pourquoi j'avais plus les clignotants, mais je les ai désactivés. Parce que c'est un code. Bah, c'est au niveau du Comico. Mais. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, d'accord, en fait, c'est ça la zone interdite. Ah oui. Allez-vous-en. Attends, je prépare mon petit pistolet là. Je vais peut-être pas l'arrêter, non? Je vais peut-être lui dire de partir. Je vais demander voir s'il est recherché quand même. Ah, ouais, c'est pas grave quoi, sa licence de driver a été suspendue, c'est tout. Bah... Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Je l'emmène hors d'état de nuire quoi. Ah, je vais mettre sur ce trottoir là ici. Hein. Je l'arrête ou pas? Ouais, je te demande un taxi de venir t'escorter. En marque, il me fait pas net en vrai. Tu peux pas plutôt t'arrêter en vrai? Code 4, le suspect est mort? Voilà, mais on revient. Je vais récupérer ma voiture. Je sais que normalement je devrais rester à côté du suspect, mais il va pas s'enfuir bien loin. Et en plus, il est à côté d'un Comico, donc bon. J'irais mollo si j'étais lui, hein. Parfait. Ils vont me prendre, bon, moi du coup je peux repartir. Ah. Voilà, il a été pris.
Putain, le jeu est beau, hein. Là, comme ça, là, c'est beau. Hein. Avec la lune qui se reflète, là. Putain, mais c'est incroyablement beau, putain, mais... Et en plus, il est pas en ultra, donc c'est ça que je trouve ça dingue, quoi. Il est pas en ultra, mais il reste quand même super beau. En vrai, c'est... Pour moi, ce jeu-là est une totale réussite. Hein. De A à Z, du coup, ils ont mis la barre super haute, du coup, pour GTA 6... Je pense pas que GTA 6 sera aussi bon, en vrai. Moi, j'ai peur que GTA 6 soit pas aussi bon, parce que là, ils ont mis la barre super haute, et en vue de ce qu'on a entendu parler... ils vont faire un truc un petit peu moins ouf, peut-être avec un scénario plus travaillé, ce qui serait bien, ouais, ce qui serait pas une chose nulle. Mais c'est vrai que sinon, en lui-même, le jeu apparemment sera moyen. Peut-être qu'ils disent ça pour justement nous décourager un peu, puis le jour de la sortie, on fera tous waouh. Et je pense qu'on fera tous waouh, hein. Je pense qu'il va quand même faire un carton, hein, parce que bon. Oula, attends. Oula, tu fais quoi, toi? T'as dit qu'il n'y a pas être là. Par contre, je te demanderai de... Ah, bah, t'es parti. Bon, j'ai un peu foutu ma merde. Ouais, je sais. Mais à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, je commence à être un peu fatigué. Et bah, je pars en couille. Il y a un truc de dingue. Par contre, il a sali ma bagnole, je crois. Du coup, je vais clean mon véhicule. Oh! Alors, ça, c'est bien mérité. Ça m'a... C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est vraiment... C'est clairement pas ça que je voulais faire. Il y a vraiment eu un misclic de ma part. Ah bordel. Ah putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait fait porter le jeu. Oh non, j'ai pas ma bagnole. C'est ta faute. Oh, il y a un truc qui peut être marrant à faire. Merde, c'est... Model spawning. Voilà. J'ai toujours trouvé ça drôle. Ça donne des trucs horribles un peu. Attendez, quoi, Abigail. Amanda. C'est qui Magenta? Je vois pas qui c'est. Ah ouais, par contre, là, ça fait complètement changer de personnage. Hein. Ah, bah bonsoir. Businesswoman. Ah, on peut lui faire changer de vêtements. Oh, c'est drôle, c'est un petit logo. Bon, il n'y a pas tous les personnages, hein, je pense pas. Hein. Elle est où, Molly? C'est pas elle qui s'est tuée, hein? Waouh, Natalia. Oh, on peut tout changer. Close menu. Dans. Attention unit 1, Lincoln 18. Citizens report a suspicious vehicle in Palato Bay. J'ai peur que ça fasse crash mon jeu par contre au bout d'un moment. Je sens qu'on va n'y est pas loin. C'est pour ça que ça me fait peur. Et d'accord, et je peux changer vraiment du coup tous les...
Putain, je savais pas. Ah ouais, je savais pas, je suis sur le cul. Oh, trop bien, on peut être lui. Oh non, sérieux, ça. Ok, après on est de retour. Oh la vache, je m'ennuie un peu là. Faut changer ses chaussures. Bah visiblement non, canard. C'est Ashley dans le au début du jeu, je crois que c'est l'une des premières scènes avec Trevor. Oula, que la moitié d'un mec, je suis pas trop fan. Natalia. Bon bah c'est cool hein. On va prendre une voiture. On va faire de la merde. J'ai envie de faire un peu de la merde. Oh, je crois que ça c'est l'une des pires voitures du jeu. Elle est rapide hein. Waouh, ce qu'elle dépote. Waouh. D'accord, j'ai peut-être parlé un peu en disant voiture de merde, mais c'est vrai que celle-là elle est rapide hein. Mais j'en ai rien à foutre de mon métier de policier. Je préfère faire de la merde dans une voiture. Qui plus est, petit stunt. Oh, c'est le stunt. Oh, c'est le stunt. Ah, merde. C'est plus trop le stunt. Bah, bah. Faut vite remonter. Bon, c'était bon l'eau de la bonne eau. Oh, un petit scooter. Bon, on va s'arrêter là pour ce stream, c'était bien cool. On se dit du coup à très très bientôt. J'ai rien à sortir du scooter. On se dit à très bientôt du coup. Attends, je vais essayer de voilà, si on sera bien. On se dit à très bientôt, à la prochaine. Attends, merde, peut-être qu'il faudrait que je fasse mon retour Windows avant. À la prochaine. Salut.